Urusim, Sishayu, Nasadaham. Hey, salut tout le monde, c'est Benjamin103O. Comme vous le voyez, on se retrouve sur Far Cry Primal, mais en chasse au mammouth. Hein. On va chasser un mammouth légendaire, qui va être très chiant à mon avis, vu que c'est l'un des animaux les plus dangereux. Alors ça, c'est mon félin, hein. Dans ma première vidéo, bon, j'avais pas encore d'animal de compagnie. Mais voilà, j'ai un tigre à dents de sabre. Alors, donc on va se rendre au village hein, pour essayer de trouver le mammouth. Alors franchement, depuis que j'ai fait ma première vidéo, j'ai fait que jouer à ce jeu. Et franchement, il est magnifique. Hein. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. À part que je pense qu'en vrai, les hommes préhistoriques à l'époque, ils avaient pas de grappin. Mais à part ça, je pense que ça va. Alors j'ai un ami qui a posté un commentaire sur une de mes vidéos en référence à Far Cry et il m'a dit, écoutez bien, il m'a dit en blague, pourquoi il n'y a plus de mammouth. Moi je lui fais, je sais pas, il me fait parce qu'il n'y a plus de papout. Ça va loin, hein. Ça va très loin. Donc on va apprivoiser, voilà. J'avais pas d'ours encore, bah maintenant j'en ai un. Mais bon, je vais rappeler mon tigre à dents de sabre, je préfère. Alors vous voyez, j'en ai, on va dire, la moitié. Alors, pour ceux qui se demandent, oui, on peut chevaucher les mammouths. Mais non, on pourra pas apprivoiser celui que je vais abattre. Parce qu'il est beaucoup trop dangereux. On peut chevaucher les jeunes mammouths, mais les gros mammouths comme ça, non, on peut pas. Alors graphiquement, je le trouve très très beau. Il y a un autre problème aussi, surtout faut faire gaffe si vous l'achetez. Si vous êtes en pleine forêt et qu'on vous attaque, ne tirez pas de flèches enflammées. Surtout pas. Ça va pas être comme dans les autres Far Cry, un peu d'herbe qui brûle. Non, là, c'est un hectare complet. Alors franchement, faut faire attention avec ça. Alors. Hop. Ah, je suis repéré. Ah d'accord, il est là. À l'assaut. D'accord, mon gourdin il est pété. Hop, ça c'est fait. Merde, j'ai tapé mon tigre. Alors, qu'est-ce que t'as sur toi? Ah, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Les traces de mammouth, elles sont où? Bon, ça, c'est du sang. Ah, elles sont là-bas. Pourquoi il y a un objectif sur lui? Bon d'accord, pas grave. J'espère qu'il va pas être trop dur à tuer le mammouth parce que sinon ça serait bête de crever.
Il a carrément défoncé le rocher. Qui c'est qui me tire dessus là? Ah vas-y! Mais dégage le sanglier là! Vas-y, pars-toi! Et que je te revoie pas! Ok, je vais le soigner. Alors voilà, le rocher que le mammouth a à moitié défoncé. On est dans un cimetière de mammouth. Ah ouais, ça il est là-bas. Il a pas l'air content. On va sauvegarder avant. J'ai pas envie de crever et de me retaper la moitié du chemin. Hop, on place les pièges. Encore ça va, mais mon petit grattant de sabre, il peut pas déclencher les pièges que je pose. Donc du coup, c'est pratique. Alors je vais l'attaquer avec mon gourdin et mes lances. Et sinon... Oh là là! Ouais, je vais prendre les flèches enflammées, je pense. On va voir ce que ça donne d'abord avec les lances. D'accord, ça fait pas beaucoup. Avec le gourdin, non, je vais clamser. Hop, flèche enflammée. Encore ça va, les pièges, ça lui fait pas mal de dégâts. Alors si votre monture, enfin votre animal est bien amélioré, genre mon petit gradant de sabre, après il y a des chances qu'il fasse des coups critiques, et les coups critiques en fait qu'il va faire, c'est qu'il va sauter sur le dos du mammouth et il va lui faire plein de dégâts. Je sais pas s'il va le faire là. Bon, le mammouth déjà il a la moitié de sa vie en moins. Donc ça va. Allez hop. Heureusement que la viande on en trouve partout, parce que sinon je sais pas comment je pourrais soigner mes animaux. Attirer son attention. Ah mais qu'il est chiant à se barrer. Reviens ici toi. Oula. Vite, un piège. Ah, il y en a un autre ici. Ça va finir en bain de sang, cette histoire. Oh bah bien, mon tigre qui passe dans le geyser. Bon bah du coup il est mort. Enfin, il est plutôt en barreau d'honneur, je veux dire. Après oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est si votre animal meurt, vous pouvez le réanimer, mais ça va vous coûter des plantes rouges. Alors les plantes rouges sont assez rares. Bon, si vous avez bien amélioré votre tribu, chaque jour vous allez en recevoir une bonne dizaine. Mais faut bien améliorer la tribu pour ça, parce que sinon vous allez pas en avoir, il va falloir chercher partout dans la forêt, dans les montagnes.
Il est parti où là? Ah. Ça c'est bien. Je crois qu'il est parti dans la vallée là-bas. Ah ouais. Mammouth écrase troupeau. Ils sont partout ceux-là, les Houdam. Ils sont partout. Dans le jeu, il y a trois tribus. Il y a la vôtre, les Houdam et les Isula. Les Isula, c'est... Ils sont plus chiants à tuer parce qu'ils savent utiliser les gourdins, les lances... les arcs, alors que les Houdam, c'est les gourdins et très rarement les lances. Donc les Houdam sont beaucoup plus faciles à tuer. Pour les reconnaître, c'est simple. Les Houdam, ils sont, on va dire, avec des marques rouges sur le visage, des peintures. Et les Isula, bleus. Ils sont faciles à repérer. On va mettre le piège ici. Oula. Allez. Attaque. Il a plus de vie mon tigre à dents de sabre. Bah voilà, mais il est à terre. Ah. Oh, ça va, il peut pas monter le mammouth. Oula. Ouais non, il peut pas monter. Oh ça va, je suis en sécurité. Oh, oh j'aime pas ça là, ça prend feu. Une lance enflammée va peut-être faire plus de dégâts. Alors, pour enflammer, il faut de la graisse animale. Ou sinon, vous trouvez un feu de camp et vous allumez vos flèches avec. Ah, mon tigre, je peux pas le sauver là. Si je vais le sauver, je vais me faire défoncer. Tant pis, je vais le réanimer avec les plantes après, c'est pas grave. Putain, la nuit tombe vite dans le jeu. Il y a une minute, il faisait jour. Et là, il commence déjà à faire nuit. Allez, encore une flèche. Voilà, je fais au gourdin. Ah. Lancer de gourdin. Achèvement. Mais crève, bordel. Ah, ça va, il est mort. On va l'abattre. Désolé, mammouth. Mais tu m'as fait courir et en plus, t'as tué... pas mal de mecs de ma tribu, donc j'ai pas le choix. Puis en même temps, j'ai besoin de ta peau pour confectionner des choses. Maintenant, on va le dépecer. La chasse aux défenses rouges. Donc ça va être ici que nos chemins se séparent, mes amis. On va voir s'il n'y a pas quelque chose à récupérer avant. Ah ouais, on va le ranimer, voilà. Oh, le loup, là, dégage. Voilà. De la peau de loup aussi. Ah, je peux confectionner un truc parce qu'il y a le symbole.
Voilà. Et donc voilà, c'est ici que je vais vous laisser. Donc je vous dis, n'hésitez pas à poster un commentaire, à vous abonner, à faire ce que je dis d'habitude, quoi. Voilà, vous connaissez la musique. Et on se retrouvera une prochaine fois, je ne sais pas sur quel jeu. J'en ai aucune idée, on verra bien. Puis je vous dis à une prochaine fois. Allez, ciao tout le monde.